Carton plein pour la deuxième édition de On Cartoon dans le Grand Lyon. Une dizaine de films d'animation européens sont à découvrir dans les salles de l'agglomération jusqu'à vendredi. Jasmine Sorgue. Pour toi, Hassan, mon ami, je te le fais les deux auprès d'une. Je n'en veux qu'une. Ah, si tu n'en prends qu'une, c'est deux fois plus cher. Comment ça? Une, c'est plus cher que deux. Eh oui, parce qu'on ne sépare jamais des jumelles. C'est une girafe qui est dans le désert et puis il y a un petit garçon qui la rencontre et puis il veut pas la quitter. Avant, elle était petite et après, elle est devenue grande. C'était trop marrant quand il se faisait manger par un ours. Promouvoir le dessin animé européen, voilà le but de On Cartoon, présenter une production de plus en plus riche qui s'éloigne un peu des standards américains. Souvent dans le cinéma américain, les productions d'animation sont quand même assez toutes un peu sur le même modèle. Donc on va dire qu'on a, on a une approche peut-être plus auteuriste en Europe. Des films pour les petits, mais aussi pour les grands. Sur les 13 films présentés, deux par exemple, Alois Nobel et Coolidge, s'adressent à un public adulte. Mais les films d'animation ont encore du mal à trouver leur public. Bonjour. Bonjour, madame. Madame. Appelle-moi Garance. Pendant de nombreuses années, l'animation se résumait à Walt Disney et il n'y a qu'une dizaine, une quinzaine d'années que les choses ont commencé à bouger. Donc il faut le temps que le public se prenne conscience de tout cela, je pense. Des séances tout public qui précèdent la quatrième édition de Cartoon Movie, forum européen de films d'animation réservé aux professionnels. 700 seront présents cette année, un marché en plein essor.